Bonjour, aujourd'hui nous allons lire ensemble un livre tout rigolo. Regardez, il est tout en rouge et noir et pour cause, vous allez voir. Regardez, hop. Pourquoi la coccinelle a-t-elle des pois? Alors, on va voir. Regardez, vous vous souvenez? Vous connaissez ce petit insecte qu'on voit dans les jardins et sur les fleurs et qui mange les pucerons qui sont sur les rosiers? C'est un petit insecte avec une robe rouge et des pois noirs. Alors, on se demande pourquoi elle a des pois. Alors là, regardez, ça c'est un oiseau. Elle dit, on va essayer de trouver des solutions, pour avertir les gloutons qu'elle a mauvais goût. Pourquoi a-t-elle des pois? Regardez, elle est dans un champ de coquelicots. Pour qu'on la retrouve n'importe où. Regardez, sur un champ de coquelicots, elles qui sont rouges aussi avec un cœur noir. Parce que les carreaux ne sont plus à la mode. Regarde cette image, elle est très drôle. Ah, voilà aussi, pour séduire les pucerons. C'est bien commode, voilà les pucerons, voilà la coccinelle. Et vous savez qu'elle se nourrit essentiellement de pucerons qui sont sur les fleurs de rosier. Parce qu'elle adore jouer au domino, c'est-à-dire qu'elle a des points, regardez, qu'on peut associer. Vous vous souvenez les dominos? C'est ça. Parce que chaque année qui passe, se dessine sur son dos. C'est-à-dire peut-être qu'il pense qu'elle a un point, et puis encore un point, et puis encore un point. Mais ça ne pique pas du tout, les coccinelles, c'est très gentil. Parce que elle adore tous les pois. Elle adore les pois chiches, les petits pois et les pois cassés. Pourquoi elle a des pois? Eh bien, pour aider aussi les élèves dans les écoles à bien compter. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Beaucoup, beaucoup d'imagination pour savoir, mais enfin, pourquoi a-t-elle des pois? Pour être la plus belle au bal des petites bêtes. Regardez, la voilà, elle a une couronne sur la tête. Alors, il y a les fourmis. Vous voyez, les araignées, les pucerons. Les pucerons, il faudrait mieux vite de partir. Hein. Parce que les contrastes, c'est chic et c'est chouette. Ça, ce sont... Regardez, on se croirait au supermarché. Alors, regardez cette image. Non, pour connaître la vraie réponse, il faut tourner cette page tout doucement. Et voilà. Si la coccinelle a des pois, c'est pour consoler les enfants qui ont la varicelle. Vous vous souvenez, quand on a la varicelle, on a des pois rouges partout, partout, partout. Qu'il ne faut surtout pas toucher ni gratter pour ne pas avoir de traces plus tard. Et voilà, regardez. Pouf, ils sont malades dans le lit. Oh, voilà. Eh bien, écoutez, ce livre qui est vraiment petit livre tout drôle, hein, a été écrit par Sissimia, Pog, Joffre et il est édité aux éditions Frimousse. Bon, allez, un petit livre rigolo de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Allez, ben, je vous dis à tout bientôt.